Retransmission. Segment 1. Acquisition de contemporanéité. 91 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. La Terre sous vos pas est-elle réelle? Et la machine avec laquelle vous jouez, la musique que vous entendez, la personne que vous embrassez et l'ennemi que vous haïssez? Votre pied frappe le sol. Est-il réel pour autant? Vos ennemis saignent un liquide rouge. Sont-ils réels pour autant? La confusion que mes mots font grandir en vous, vous rend-elle réelle? Et si la réalité n'était pas celle que vous croyiez? Si elle n'était qu'artifice, une simulation remarquablement réalisée? Vous savez que de telles choses existent. Vous avez déjà été dans l'animus. En fait, n'y êtes-vous pas en ce moment même? Vous savez à quel point une simulation peut sembler réelle, même si elle a disparu depuis longtemps. Vous avez connu l'effet de transfert, des couches et des couches de réalité, chacune se fondant dans la suivante. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'y est pas? Et si rien ne l'était? Et si tout ce que vous connaissiez n'était qu'illusion? Nous avons lancé des milliers de simulations à la recherche de la bonne, à la recherche de Desmond. Chacune d'elles paraissait réelle, très réelle. Mais on ne peut jamais en être vraiment sûr, n'est-ce pas? Totalement sûr. On peut simuler n'importe quoi, et trouver la réponse peut provoquer l'effacement de la version, du code, de tout. Tant de choses à évaluer et si peu de puissance de calcul. Prenez votre temps. Cette question hante l'humanité depuis sa création. C'est une préoccupation, une pensée profondément ancrée dans l'esprit collectif. Il y a plus de 20 siècles, Zhuang Zhu s'est endormi. Il a rêvé d'un papillon et à son réveil, il a été incapable de décider s'il était un homme rêvant d'un papillon ou un papillon rêvant d'un homme. Dans la caverne de Platon, des prisonniers enchaînés étaient contraints de regarder des ombres danser sur une paroi. La liberté leur était refusée jusqu'à ce qu'ils acceptent l'intangible comme leur réalité. C'est le cas partout. Il suffit de demander à un professeur d'Oxford ou à un cosmologue du MIT. Et vous? Que choisiriez-vous à la lumière de la vérité? Auriez-vous seulement envie de la connaître? Un rêve dans un rêve, une vérité qui peut basculer dans le mensonge. Quoi qu'il en soit, les simulations ont tout un sens. Elles ont une fonction. La question n'est pas de savoir si vous êtes ou non dans une simulation. Ce qui compte, c'est la part de libre arbitre qui vous appartient, quel que soit votre degré de réalité. Votre test de Turing serait incapable de déterminer si vous êtes une conscience ou du code. Elisa, le programme informatique de traitement du langage naturel. Elle a bien réussi le test, n'est-ce pas? Et elle n'était pourtant qu'une intelligence artificielle. Alors, pour reprendre les termes d'Elisa, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? En êtes-vous sûr?